Nous voilà de retour en direct de Los Angeles pour assister à ce match entre les Lakers de Shaquille O'Neal et cette jeune équipe des Minnesota Timberwolves, composée notamment de Kevin Garnett et Stephen Marbury. Petit changement côté Lakers, Kobe Bryant débutera ce match en tant que titulaire. Allez, l'entre-deux, c'est parti et c'est remporté par les Wolves. Bryant qui donne ce ballon à Van Exel, qui redonne ce ballon à Kobe Bryant avec le shoot à 3 points et ça rentre. Les premiers points pour les Lakers dans ce match. Allez, un double screen pour faire remonter Kobe Bryant, servi par Rick Fox, le tir de Kobe, et c'est dedans. Le sophomore qui débute très bien son match. Bryant qui va être aidé par cet écran posé par Robert Horry. Il est passé Kobe Bryant et il va réussir à déposer ce ballon. Van Exel à la remontée de la balle. Bon, attention, ce ballon envoyé en l'air pour Kobe Bryant et ça passe. 9 points inscrits pour le jeune joueur sur 9 points inscrits par l'équipe. Quel début de match. Marbury en combinaison avec Kevin Garnett, le tir à 3 points, c'est manqué. Rebond Shaquille O'Neal qui transmet ce ballon loin devant pour Kobe Bryant qui va réussir à conclure cette contre-attaque. Van Exel, oh, le spin pour éliminer Marbury, non. Mais l'alley-oop pour Kobe Bryant. Deuxième alley-oop consécutif des Lakers. Oh, quel jeu spectaculaire qu'il nous propose. Allez, Marbury qui appelle Kevin Garnett pour poser cet écran. Marbury qui a éliminé Van Exel, mais pas Shaquille O'Neal puisqu'il va se faire contrer. Van Exel qui donne ce ballon à Kobe Bryant et qui arrive encore une fois à conclure avec sa main gauche. Et temps mort de la part des Wolves pour stopper cette hémorragie. Plus que 3 secondes à jouer, ça va être compliqué pour Derek Fisher qui shoot, qui n'a pas le choix. Oh, et Kobe Bryant qui arrive pour claquer ce ballon dans le panier. Il ne s'est pas refroidi, Kobe Bryant. Doug West déséquilibré par Eddie Jones avec ce gros pressing qui récupère ce ballon passé pour Kobe Bryant. Il est passé devant, il va pouvoir conclure et il conclut avec un gros reverse dunk, Kobe Bryant. Et Kobe Bryant libéré par cet écran de Campbell, il prend le shoot et il continue, Kobe Bryant. 25 points pour lui déjà. Le 3 points ouvert de Doug West, ça ne rentre pas. Rebond Blount qui donne ce ballon à Kobe Bryant. Kobe, oh, il est passé Kobe, c'est compliqué, mais ça rentre en N1. Terry Porter qui attaque le panier, le flotteur. Ah, il était compliqué ce flotteur, récupéré par Campbell. La contre-attaque emmenée par Kobe Bryant. Il est passé Kobe Bryant et encore un reverse dunk en ligne de fond. C'est très impressionnant ce qu'il fait ce soir. Il a de la dynamite dans les jambes, le jeune Kobe. Un écran de Shaquille O'Neal pour libérer Kobe en isolation qui prend directement ce tir et qui va l'inscrire avec la planche. 34 points pour lui à l'entame de ce troisième quart-temps. Oh, Bryant avec ce cross pour éliminer Anthony Piller. Oh, quel dunk de Kobe Bryant en reverse dunk windmill. Oh là 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 là, quel dunk encore une fois. C'est juste exceptionnel. Bryant au poste bas face à Anthony Piller. Le fade away et ça rentre avec la planche. Anthony Piller qui attaque le panier, c'est contré par Shaquille O'Neal, récupéré par Eddie Jones qui envoie ce ballon pour Kobe Bryant, tout seul en contre-attaque et encore un gros dunk de Kobe en transition. 40 points maintenant pour lui, le jeune joueur des Lakers, le sophomore. Fisher pour Bryant, en isolation face à Chris Carr, il le joue Kobe Bryant et il le rentre ce tir avec la planche. Il n'a que 19 ans ce jeune joueur et regardez-moi cette performance. Kobe qui arrive à passer ligne de fond et le gros dunk de Kobe Bryant encore une fois. Mais où s'arrêtera-t-il? C'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser sur ce match, Kobe Bryant. Allez, la montée de Shaquille O'Neal pour poser cet écran pour Kobe Bryant. Il coupe directement Shaquille O'Neal, c'est bien fait et c'est bien servi par le jeune Kobe. Bryant avec cet écran de Robert Horry. Kobe Bryant avec le fade away à mi-distance et ça rentre. Le tir de Kevin Garnett, il est manqué ce tir de Garnett. Eddie Jones pour Kobe. Oh, attention, il est encore une fois passé Kobe Bryant et le gros dunk de Kobe Bryant. Il atteint la barre des 50 points avec ce moulin avant. Oh là 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 là. Et Kobe, oh, qui traverse toute la défense, c'est l'autoroute pour Kobe Bryant ici. Kobe qui regarde son adversaire droit dans les yeux et tire. Oh non, mais c'est pas possible, arrêtez-le. Oh, Kobe Bryant se shoot sur la tête de Parks. Bryant, l'alley-oop pour Shaquille O'Neal. Il fait participer ses coéquipiers maintenant, après avoir inscrit 52 points. Kobe, avec cette dernière possession offensive pour les Lakers, et ça finit en alley-oop sur Campbell.
à l'image de ce match, ce spectacle proposé par cette équipe. C'est terminé. Les Lakers s'imposent sur un score de 122 à 99 face à cette équipe des Timberwolves qui clairement ne pouvait rien faire ce soir face à cette performance exceptionnelle et all time du jeune Kobe Bryant, 19 ans seulement. Et écoutez bien ces statistiques, en seulement 28 minutes, 55 points, 4 rebonds, 4 passes et une interception à 22 sur 30 au tir. Il a réalisé 10 dunks sur le match. La performance n'est pas seulement statistique, mais juste spectaculaire. On n'a jamais vu ça d'un aussi jeune joueur. Quelle performance! Et malheureusement, on ne va pas pouvoir en discuter plus longtemps car je dois rendre l'antenne. Merci à tous d'avoir suivi ce match et à bientôt pour un autre match de NBA. Au revoir tout le monde.